et en plus elle arrive à accélérer. La deuxième prend par revenir et finit en sprint. On peut l'applaudir. La première fille de 2012. Avec le grand sourire. Et pour la troisième place également, ça se joue au sprint. Est-ce que ça va revenir derrière? Non, elle arrive à garder sa troisième place, les bras en l'air bien sûr. Ah, ça sent le Sagnorte et athlétisme, j'ai l'impression aussi. Et comment ça se passe de votre côté, Eric, sur ce bas de la descente Bugeouf? Oh bien, j'allais dire, comme les courses précédentes, Bastien, là, ça va un petit peu moins vite. Je vois quelques jeunes demoiselles qui récupèrent en marchant quelques mètres. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire, hein. Je le disais tout à l'heure, quand on se sent un petit peu moins, pas la peine de se faire absolument mal. Hein. On marche quelques dizaines, vingtaines de mètres et on repart tranquillement. Pendant ce temps-là, ça continue à arriver. Les filles qui se dirigent vers la remise des récompenses. Le sac souvenir avec de quoi se ravitailler surtout. Et on peut applaudir, messieurs, dames, s'il vous plaît, les trois premières féminines qui vont me suivre de cette catégorie 2012. Et sous les applaudissements de monsieur le maire et de vous toutes et de tous, les jeunes filles vont monter sur le podium. Allez-y les filles, on peut applaudir. Les parents, regardez les parents qui sont là, qui sont contents. En troisième position, elle fait coucou à sa famille là-bas et le grand pouce. Ton prénom, mademoiselle? Camille. Et Camille, tu es de quelle école? De Choret. D'accord. Chaban, du Chaban. Chaban, exactement, on précise, hein, attention. Est-ce que tu fais du sport à côté? Oui, je fais de la danse. Mais tu es très en forme, félicitations à toi. Et monsieur le maire qui va te remettre la médaille. Voilà, bravo à toi. Et là-bas, on fait la photo souvenir. En deuxième position, on a réussi à gagner sa place au sprint. Comment tu t'appelles? Inès. Inès, toi, tu es de quelle école? L'école des Briseaux. Ah, les Briseaux, ça fait deuxième des Briseaux. Attention, hein. Et les parents sont là-bas aussi. Tu fais du sport? Oui, au Stade de Niort. Au Stade Niort, t'es l'athlète licencié chez les Rouges et Blancs. Bravo à toi. On te remet également la médaille par monsieur Baloge. Bravo à toi, Inès. Et le grand sourire, elle est heureuse comme tout. Ton prénom, mademoiselle? Torias. Torias, c'est ça? Et Victoria, et tu es donc première, t'es contente, tu es de quelle école? Saint-Florent. De Saint-Florent, tu fais du sport à côté? Ouais, je fais de l'athlétisme. Où ça, tu fais de l'athlétisme? Stade des Chamois. Ah, au Stade des Chamois, donc au Stade Niorté. Alors voilà, les copines de club, vous connaissez. Oui. Eh bien, bravo à toi, regarde, on va te remettre la médaille de la première, on peut l'applaudir. Victoria, continuez comme ça, il y a bientôt la saison des crosses, il faudra y aller. On va inviter les filles, les copines, venez avec nous. Il y a déjà les t-shirts également, rouge et blanc, du Seigneur Théâtelé. On va venir devant, venez devant les filles, venez devant, voilà. Les copines, allez, mettez, avancez, avancez. Voilà, ça là, ça continue à arriver, on a laissé toutes les jeunes filles arriver. Allez, monsieur le maire, la photo souvenir pour le courrier de l'Ouest demain. Comme on a eu les habitudes, on va attendre que les dernières arrivent avant de lancer les garçons. Quelques instants, hein, François, on a encore quelques minutes. Bravo les filles, ne partez pas sans votre médaille, bien sûr. Et on vous dit à l'année prochaine, bien sûr.
Eh bien, je vous en prie, retrouvez vos parents et fêtez ça. Les parents récupèrent les enfants sous les platanes, au niveau des tentes bleues. Où vous allez récupérer votre petit sachet cadeau. Allez, les dernières qui arrivent, on peut les applaudir jusqu'au bout. Elles sont accompagnées par une des bénévoles. C'est tout pour les filles. Frédéric ? Oui, non, parce que tu fais bien d'accueillir, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques pleurs dans les dernières concurrentes. Mais au moins, elles ont le mérite d'aller jusqu'au bout. Et un grand merci, comme tu disais à l'instant, aux bénévoles qui les ont accueillis. Et on peut dire un grand bravo en général à tous les bénévoles qui vont encore œuvrer tout ce week-end. Tout à fait. Et François, je te vois, tu me vois. On y va, Jacques-Marie, c'est tout bon aussi. On va libérer, si je ne me trompe pas, les 2012. On est encore sur le 2012. Les 2012, les garçons, doucement, on reste derrière la corde jusqu'à ce que la corde soit levée. On ne la libère pas tout de suite après le coup de pétard. Vous avez deux tours, vous avez 1720 mètres à faire. Prenez le temps. Bien sûr, on va arriver quasiment à l'esplanade. Je vais demander aux spectateurs encore très nombreux quelques applaudissements. Il faut les encourager. Deux tours à faire pour eux. Il faut tenir la corde, messieurs. Attention, ça pousse. Donc soyez bien vigilants, les garçons. Un petit peu d'humidité, on le disait. Attention aux chutes. Je me demande si le pack du rugby ici à Niort pousse aussi fort. Les garçons.